On veut push en early contre Jinx. Pas trop trop non plus, mais là c'est suffisant. Oh, là c'est la catastrophe. Oh là c'est vraiment la catastrophe par contre. Ignite flash, c'est tout hein, je crois. Très chapeau flash. Hein. Là c'est la catastrophe parce que j'ai push la wave et du coup je me retrouve zoné. Hop là, et ouais, c'est pas vous que je voulais, c'était le Cripes. Ok, on est niveau 2. Ah, je pense qu'on va pas avoir un max de fun cette game. Hein. Ça va, ils sont level 1, je prends une auto-attaque, c'est tout. Ok, c'est quoi le plan là, frérot? C'est genre t'arrives sur la ligne, tu meurs, tu reviens, tu remeurs. C'est quoi le plan là? Parce que j'avoue que moi je peux participer, hein, y a pas de problème. S'il faut qu'on se suicide, moi je suis chaud. Hein. Juste tu me dis et j'y vais direct. Hein. Ça va être dur. Hein. Là vous avez pas misé quand même trop de coins. Arrête, mon top laner, c'est l'arrivée de la game d'avant qui a explosé le Viego et qui vient de solo kill Vladimir. Ah, j'aurais pas le premier mêlée. Ok, je touchais Jinx derrière. Non. Oh non, je troll. Non, auto pas le caster. Ok. Vas-y, go push, go push. Que j'ai pas la mana pour Q. Je voulais fast push. Ah, la wave va pas aller sous tour. Vite. Ok, ça va. Catastrophe a été évitée. On va back. Ah, c'est la flash, Morgana. Et 1, et 2, et 0, 3. Bon, t'as aimé tous ces flashs, hein. Alors. 6.50 flash AD. Thresh, c'était... 7.15 flash Thresh. 9.12 flash Morgue. Je sais pas si Thresh a la réduction de CD du flash, mais normalement il l'a donc. Aïe. J'ai enlevé les 30 secondes. Après, j'avoue que je sais plus combien c'est maintenant en fait. C'est peut-être plus, hein, c'est peut-être 40 secondes. Bon, il me faut absolument la wave. Si je n'ai pas la wave, c'est une catastrophe. Normalement je l'ai hein mais... Ah mais gros, il va falloir faire un effort frérot game. Je veux dire Apocalypse fan là il va falloir y aller hein. Bon je pourrais pas prendre cette wave là. Quoique si je peux, ils ont peur de Shaco. Désolé, mais je peux pas te laisser, Rome. Faut pas que t'impactes plus la map que ce que t'impactes en bot lane déjà. Oui, c'est souvent les joueurs n'apprécient pas quand tu cancel leur back, ils veulent me cheese. Donc moi, je connais ces joueurs-là. En plus, j'ai eu quelqu'un entrer dans ce bush ici. Je vous le dis en règle générale, hein, quand vous cancelez le back de quelqu'un comme ça, il va pas être content. Donc méfiez-vous. Après, ça dépend de la situation, évidemment, hein, mais... On va remettre les sums dans le chat. Il va peut-être vouloir gank avec son Shaco. Ouais,
Ok, Jinx et bot. Rien à foutre de la ping, qu'est-ce qu'il fait? Ok, je crois qu'il avait Q-spell. J'avais pas vu tout à l'heure. Allez, c'est Deagle! Non! Putain. Ils ont déjà récupéré leur flash en fait. On va pas vraiment pouvoir jouer la lane qui est un petit peu faussée vu que Jinx a 3 kills. Parce que là, elle a 2400 gold de stats. Moi j'ai quoi? Une tire, hein, donc. Ramène sous tour, ramène sous tour. Faut pas freeze la wave là. Faut encore 100 gold pour mon item. Ok, ils ont fait le Drake. Récupère la ping tribush, la base. Elle se fait hook, classique. Je vais back, j'ai une TP. Bon, ils vont prendre deux plates. Gros quoi. Je cancel, moi je pense pas que j'avais besoin de cancel, mais. J'ai quand même cancel. Je pense que j'avais le temps. Ils vont prendre deux plates, j'arrive, j'ai une TP. Non mais frérot, Bien joué. Merci le sang. Vraiment, c'est vraiment... Il ne fait pas d'efforts là. Là, je suis navré, hein, mais j'ai vu des gens qui faisaient des efforts et là. Là, je suis formé, là, il n'en fait pas. On va back. On va récupérer nos. Ah, est-ce que je fais bot rang 2? J'ai mon flash en fait. On va faire des bot rang. On va essayer de rush le. Ah, quoique, en vrai, je suis loin de l'item. On va faire des bot rang 2. C'est vrai que j'ai même pas. J'ai pas assez pour. J'ai pas envie de faire Liandry. Et j'ai pas assez pour me baguette explosive donc. Spécial delivery. Oh putain, j'ai plus le temps. Je me la prenais quand même la cage avec ce Z. Hop là, et 7 gold pour moi. Hop là, 29 gold. Bon, la terre à botte tombe, normal. Niveau 4 sur sa sauna. Ce qui est un peu chiant, c'est que je me fais pas mal zoner du coup. Et je peux pas trop XP. Du coup, même si Senna passe un peu son temps à crever, je suis pas pour autant bien en termes de level quoi. C'est ça qui est un petit peu chiant. Bah, moto Z. Tire sa face, c'est bien, on a pris T1 top. Voilà, de toute façon, l'objectif c'est juste de tempo, hein, mais. Ils sont pas dans le gauche, on peut avancer. Ils sont peut-être là-dedans, je n'ai pas d'informations. Il joue, ouais, il a son X-Flash, faut quand même faire attention, ouais. J'ai un peu mis pause là, déjà il aurait pu X-Flash une toute tentative de hook. S'il touche, il enterre, il est pas dans le gauche, hein, mais je vais quand même ward. Par sécurité, on n'a pas d'infobot. Ah non, c'est trop. On n'a pas assez de vision. J'ai même ping on my way, mais c'était pas ce que je voulais.
J'aime bien les mid par contre. Merci Nico Chiller pour les 7 de 22 mois. Ah, j'ai pas ulti, on veut fight mid là. Trop vite. Je pourrais jamais l'avoir. Oh, troll. Enfin, il troll pas, mais... J'ai pris le shot de safe step quoi. Après la première boom que c'est pris, il a trollé. Oh, j'aurais pu le tuer, donc je suis très heureux d'avoir eu 450 gueules. J'ai pris le shot de son deuxième safe step, mais le premier il est rentré dans la boom. Il courait trop vite, Toro, il est juste à courir tout droit, je le tuais pas. Bon, je suis quand même en 2-0-2. J'ai quand même pas mal de 16 de retard, ouais, j'ai 20 16 de retard. Tout ce qui est chiant, c'est qu'à Exig, j'ai pas pu pressure les plates, quoi. Ah ouais, chaud cette bombe. Je vais me replacer mid. C'est ok, Riven est fed. On a réussi à punir Jinx, récupérer les shutdowns. Je suis pas out de la game. On est décent. Sona qui, pour le moment, n'a pas réussi à solo lose, heureusement. J'aurais bien aimé prendre la T1, mais... C'était un peu complexe. Et on est niveau 9. Il n'y a plus qu'à infiltrer ce mystérieux gang tranquille. De trafiquants de gâteaux. Il nous manque une wave pour le Luden, on va l'attendre tranquillou. On stack en même temps la tire. Merci Dajobu. Pour le risque, pas pour le sub, bienvenue. Dajobu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ça va aller, non? Ah, des trop d'animés, je crois. Hein. Vas-y, je vais back. Ça va tout court? Ok. Ah, c'est vrai, c'est vrai que c'est pas exactement pareil. On regarde jamais trop d'animés. C'est vrai. Ah, j'ai trop envie de prendre la terre, mais c'est tellement greedy. Je vais faire le camp de Raptor plutôt. Il gagne contre Vlad, je suis pas sûr qu'il puisse le tuer. Hein. Il peut pas le tuer, mais. Sona va mourir de Jinx, non? Allez, gros, elle se prend des Shumpers, elle se prend tout ce qui existe dans le monde. C'est quand même incroyable. Bitterbot. Ouais, là j'avoue que. Bah, t'es très bon. Et j'ai pris une cache perdue! Arrêtez! Monsieur! 375, 423, allez, c'est bon. Oh, j'ai dit c'est bon. C'est bon, ça veut dire c'est bon là-haut.
Ah, lui il est pas sympa, je sens. Flash Vlad. Il va falloir jouer de la next game. Ok, on va back. Je suis revenu à égalité avec Jinx en termes de CS. Malheureusement, ma team a pas réussi à. Enfin, elle a pris trop là sur overall Jinx. Elle a pris genre 3-4 kills, je crois. Après, elle est en 9-2, mais en vrai, c'est pas vraiment 9-2. Elle est plus en 7-2. Parce qu'elle a tué genre 4 fois Sona, je crois. Et je pense que Sona vaut pas beaucoup d'argent. Hein. Nice, allez Riven. Tu es capable d'accomplir de grandes choses. Oh, good job. Il a pas de flash lui. Trinket aussi prend l'information si la botlane arrive. On voit Thresh. Il y a Jinx. Alors prendre un reset. Ok, pas de flash. Et la vision sur moi ou quoi? Il m'a hook en sortie de plante, genre. De quoi, frérot, le boss là? Parce que. Oh non, j'étais pas dessus. Par contre, j'étais derrière le dragon là. C'était un peu compliqué. Galio était trop low HP. Il y avait un truc à faire, c'est Galio back, TP et que je prends pas le hook. Mais à partir du moment où je prends le hook, déjà c'est la merde. Après, je pense que anyway, c'est compliqué. Ok, il y a plus de smite sur la petite Morgana. Si Shaco est bien dans la. Enfin, avec Shaco Riven, en vrai, ils peuvent gérer Jinx avec mon backup, avec l'ulti. Le truc un peu chiant, c'est Morgana. Qui a quand même du bon peel. Et Thresh qui, normalement, devrait jouer full autour de Jinx. Mais on peut gagner parce qu'il n'y a que Jinx dans la game. Donc si on tue Jinx, on est fine. Truc chiant, c'est qu'ils ont déjà 3 Drake. Toujours pas pris la thermide. Ah là, un peu trop d'HP. Tiens, je peux prendre le bleu ou pas? On va voir. Hein. On utilise Galio et tout pour setup genre Galio. Galio Shaco. Okay, c'est bien, good job. On a eu shutdown sur Jinx. Viego qui contrôle Riven, gros, ça fait peur, hein, je vous le dis. Genre, Riven est tellement fed. T'inquiète, on la prend cette T1. Je mets une auto-attaque, un Z, elle saute. C'est pas une auto-attaque buffée, je m'en excuse. J'ai dû en mettre deux. Ok, on a eu 1000 gold sur Riven, je crois, ouais. Do we have Jinx flash timer? Really important this game. We need to track it. Ok, le TP sur une ward normale, ça n'a pas été vu. Ah, il est là. Allez, fume-le, fume-le! Voilà, voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est bon, ils y sont pas, tranquille.
Là, ils sont peut-être par contre. Et ça, ça mérite d'ulti pour check. En fait, on avait Morgana, mais ça peut très bien être une strat de laisser Morgana justement loin du Drake et de récupérer le Drake à 2. Jinx a quasiment 3 items, donc beaucoup de dégâts. Ok, je fais mal aussi sur mon Spike. Vladimir a son flash, j'ai mon ulti soon, c'est pas très grave, j'avais un blue buff et tout, donc ça me donne pas mal de CDR. Il y a Zonia sur Morgue. Ok, Soliner sert un peu à rien dans la game. Je l'ai eu. Et on peut dire ce qu'on veut, mais Sona, c'est un scaling mama comme on dit. Donc même si elle turbo int la game, au moins elle turbo int la game en jouant Sona et elle turbo int pas la game en jouant genre. On joue support donc c'est pas compliqué, mais genre Rek'Sai tu vois. Je sais pas que je vais acheter une stopwatch. Parce que typiquement, tu vois au moins la perso qui scale, donc elle finira par servir à quelque chose. Anyway. Alors c'était mon jungle qui était en 0-11-9 et qui jouait avec ça, et là j'aurais été en mode bon la game va être compliquée. Là il est en 0-11, bon bah on est dans la merde actuellement à cause de lui, mais... Il va commencer à servir à quelque chose. Il a bientôt son deuxième item. J'ai une petite stopwatch pour le Drake. Je sais que Vladimir a son flash. J'éloigne du mur au cas où, mais il a pas de flash de toute façon. Arrête Sona. Mais oui, mais putain, tu es con. Elle donne des resets à Jinx free en fait. Oh, je l'ai one shot! What the fuck, les dégâts! Ouais, je pense qu'on peut gonache. Il la smite? Ok. Je vais éclairer très très vite ça. Quand même 90 gold, on va pas. T'es pas au max ouais en termes de DPS. Ça avait quelque chose incroyable. Si je vais prendre le bleu, c'est bien en plus de la flash in. Alors, quel item je fais là? J'avoue que je suis en pleine réflexion. Est-ce que je fais Zonia? Ouais, je pense que c'est en fait. En fait, le spike est trop big. J'aurais préféré utiliser ma stopwatch avant, mais le spike est trop big parce que, en gros, ça me donne 5 de magic pen en plus et c'est vraiment conséquent là avec les dégâts que j'ai. J'aurais pu faire double baguette explosive, enfin double baguette trop grosse, pardon. Rapprocher du Rabadon. Mais là, c'est bien de jouer aggro avec le Nash. Je suis plus fort avec cet item là et surtout, ça me donne beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de liberté de jeu en fait. Oh, le fume, hein, je pense que... Ah non ? Oh, la vitesse ! Soubala, la puissance, comme on dit. Ok, il n'y a plus de flash Viego. J'ai troll, là. J'ai waste mon flash de ouf.
dégâts par contre. Oh, j'ai tué Morgana. Let's go. Eh ouais les frérots, c'est comme ça que ça fonctionne la game en fait. Bon bah on la win, incroyable hein. Qui l'eût cru? Ah je suis désolé pour ce petit Zonia là, ça t'a pris de court le mec derrière moi qui s'est pris le hook. Bon bah incroyable, 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 comme quoi on peut faire un 12 et gagner une solo queue hein. Honor Given quand même. Glou glou. Je n'ai vu que pour te voir, après tu peux gagner des solo queues, la Zilane, c'est bien aussi. Merci Cucu la couette pour le resub de 13 mois. Bon bah on a quand même fait une bonne game honnêtement. Heureusement mon top laner a win, parce que je m'étais fait un petit peu hello held par mon... support, mais mais heureusement qu'on a quelqu'un sur qui se raccrocher sur le reste de la map. J'ai réussi à rester efficace quand même tout au long de la game. Genre en mode à rester devant et je suis pas mort en lane, ce qui était vraiment le plus important. Donc game plutôt clean au vu des circonstances, honnêtement. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Des bisous à vous et portez-vous bien. La bise.